Coucou tout le monde. Passage très intéressant sur les reptiliens. La dernière fois, je vous avais lu sur les petits gris hein, du site Message de la Nature, les émanants. Et là, je vais vous lire le passage des reptiliens avec la base de Dulce. C'est très intéressant aussi. Alors, une autre race extraterrestre importante dans ce groupe est décrite par Dean comme étant des humanoïdes aux caractéristiques reptiliennes de 1,82 m à 2,43 m de haut. Les races extraterrestres reptiliennes ont été décrites comme étant à la fois originaires de la Terre et d'autres systèmes stellaires. R.A. Boulet a analysé de manière approfondie diverses sources historiques et fait valoir qu'il existe suffisamment de preuves pour soutenir la conclusion selon laquelle une ancienne race extraterrestre de reptiliens habitait la Terre et jouait un rôle dans la création de l'humanité. Évidemment, on pense aux Anunnaki, reptiliens, etc. Zachary Sitkin, Anton Parks, bon. Andreas aussi, parce que ça fait partie avec Mars. Bon, bref, Mars, la connexion aussi avec Mars. Alors, selon Thomas Castello, un ancien responsable de sécurité à Dulce, c'est-à-dire la base de Dulce, il y a plusieurs étages, plusieurs profondeurs. Il y a même il y a le sixième étage ou le septième, je sais pas, en profondeur, où c'est le hall du cauchemar, un truc comme ça. Une terre est jouée un rôle dans la création de l'humanité. Hein. Selon Thomas Castello, un ancien responsable de sécurité à Dulce, une installation souterraine hautement classée regroupant un certain nombre de races extraterrestres coopérant avec un certain nombre d'agences et de sociétés de sécurité nationale américaine. Voilà. Les reptiliens indigènes de la Terre travaillent côte à côte avec les humains et d'autres races extraterrestres, évidemment les militaires. Hein. Enfin, en gros. Certains reptoïdes reptiliens sont originaires de cette planète. La caste dirigeante des extraterrestres sont reptiliens. C'est une race ancienne sur Terre vivant sous Terre. Encore une fois, sous terre, on revient encore sous terre, hein, terre creuse, hein, en gros. Les reptoïdes se considèrent à juste titre comme des Terrans autochtones. Peut-être sont-ils ceux que nous appelons les anges déchus, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, nous sommes considérés par eux comme les squatteurs sur la Terre. Dans la mesure où j'étais technicien en sécurité à cette base Dulce, je devais communiquer avec eux quotidiennement. S'il y avait des problèmes liés à la sécurité ou à la caméra vidéo, j'étais celui qui appelait. C'était la caste de travail reptilienne qui faisait habituellement le travail physique dans les niveaux inférieurs de Dulce. Voilà, c'était les niveaux inférieurs. Il y en a 6 ou 7, je ne sais plus. Bon, bref. Selon Castello, les niveaux inférieurs de Dulce impliquaient de nombreuses violations des droits humains de civils captifs par des responsables de projets extraterrestres et humains. William Hamilton, un chercheur réputé sur les ovnis, étudia à la fois des installations de la base de Dulce, les affirmant sur la crédibilité de Thomas Castello et les trouva hautement plausibles. Il peut être désagréable de digérer ou de croire l'histoire de Thomas. En fait, cela semble faire partie d'un cauchemar vivant. Il existe des preuves que quelque chose d'étrange se passe à Dulce. Thomas a-t-il la réponse? Il se peut qu'une terrible vérité soit cachée derrière le phénomène persistant d'observation d'ovnis, enlèvement et de mutilation d'animaux. Les agences de renseignement de notre gouvernement surveillent de près toutes les activités des ovnis pendant plusieurs décennies. Ce phénomène extraordinaire doit avoir une explication extraordinaire. Nous ne sommes peut-être qu'un seul avant-poste dans un vaste empire interstellaire. En plus de la conclusion de Hamilton concernant les affirmations de la crédibilité de Castello, j'ai rédigé un rapport détaillé sur la base de Dulce et découvert que la preuve concordait parfaitement avec les affirmations de Castello concernant les violations des droits de l'homme impliquant diverses extraterrestres, agences de sécurité nationale, américaines et sociétés. Linda Moulton, ah oui, journaliste d'investigation et chercheuse sur les ovnis, a interviewé un destinataire abducté du nom de Jim Sparks qui affirme avoir rencontré un certain nombre de reptiliens indigènes de la Terre. Selon Sparks, les reptiliens indigènes vivant sur Terre possèdent leur propre culture et interagissent avec l'humanité depuis des millénaires. Ils ont à la fois aidé l'humanité et l'ont utilisé comme ressource. Les reptiliens ont dit à Jim Sparks, qu'ils avaient conclu un certain nombre d'accords secrets avec les gouvernements nationaux. Les affirmations de Sparks vont tout à fait dans le sens de l'expérience d'un autre contacté, Oleka, hein, qui affirme avoir rencontré une reptilienne, Lacerta,
et l'avoir interviewé à plusieurs reprises et avoir distribué les entretiens sous forme de dossier Lacerta. Selon Lacerta, les reptiliens qui ont évolué sur Terre sont distincts des reptiliens hors du monde, qui visitent périodiquement la Terre. Bien que la crédibilité d'Oleka suscite un débat, les témoignages sont concluants et cohérents avec eux de Sparks et d'autres recherches sur des espèces de reptiliens et méritent d'être pris en compte pour mieux comprendre les activités des reptiles. Selon Lacerta, la disposition des reptiliens envers l'humanité est prudente dans la mesure où ils considèrent les humains comme une espèce primitive qui est la propriété d'autres races extraterrestres qui ont ensemencé la planète. Selon Sparks, les reptiliens basés sur la Terre capturent les humains de manière à ne pas remettre en cause la présence humaine sur la planète. Que je vous rappelle un petit peu aussi que nous avons tous, n'importe quel être humain, un coin côté gauche, cerveau reptilien. Cela suggère que les reptiliens suivent les accords imposés par des races extraterrestres d'autres mondes plus puissantes mentionnées par la certains. Je dis ça parce que par rapport à l'hybridation. En résumé, d'après les témoignages de dénonciateurs et de personnes contactées évoquées jusqu'à présent, on peut conclure que les reptiliens basés sur la Terre sont impliqués dans des activités telles que la manipulation d'élites humaines et d'institutions financières, l'influence des systèmes de croyances religieuses, bah oui, le militarisme et la modification de l'histoire de la civilisation humaine. C'est-à-dire que tu peux tout revoir. Si tu vas à l'école, tu peux tout revoir. Tout ce que tu as appris, ça m'a pas peine d'y penser. Bon, bref. Tu peux tout recommencer à zéro. Les problèmes systémiques globaux auxquels les reptiliens autochtones contribuent comprennent les violations cachées des droits de l'homme, la corruption de la domination des élites, le contrôle des médias et des entreprises, le dogme religieux qui divise, de toute façon c'est pas étonnant, l'amnésie historique et une culture de la violence. Et on en plein dedans. La prochaine fois, je pourrais vous faire une vidéo sur les draconiens, ce qui peut être très intéressant aussi. Et je verrai d'ici 2 jours. Hein. Voilà, là c'était la base de Luce avec les reptiliens et je vais couper là. Merci, à bientôt. Bon week-end d'avance. À plus. Bonjour. Alors, les draconiens. La dernière fois, je vous avais lu les reptiliens. Juste avant, c'était les petits gris. Hein, et c'est toujours sur le site Les émanants messagers de la nature. C'est très intéressant aussi. Peut-être que je reviendrai sur les grands blancs. Je sais pas. Avec Charles Hall. Je crois qu'il y a eu les grands blancs. Il me semble. Enfin, bon. J'en reviendrai aussi sur le peuple des Amérindiens. Hein, les récits inédits. Donc je vais voir la prochaine vidéo, je sais pas. Alors les draconiens. Les rapports de dénonciateurs contactés les plus controversés concernent une race reptilienne hors du monde, décrite comme étant les draco-reptiliens, prétendument originaires du système d'étoiles Alpha Draconis, ou Draconis, distance de 215 années-lumière et qui était autrefois l'étoile polaire. Selon Alex Collier, les draconiens ou dracos, ce que j'allais dire de toute façon, en deux castes principales, dont la première est une caste de guerriers de 2,13 m à 2,44 m, qui sont apparemment redoutés dans toute la galaxie pour leur capacité de combat. Le deuxième caste est une ligne royale, le draco reptilien, qu'il décrit comme étant les siakars, qui en raison de leur taille, de leur capacité psychique et de leur aile présumée, pourraient être confondus avec le dragon proverbial si Collier a raison. Les draconiens sont une très grande race reptilienne. D'ailleurs, on en parle dans le livre Programmes spatiaux secrets. De toute façon, j'en trouverai quelques photos, il n'y a pas de problème. Connu sous le nom de Drax. Il existe une lignée royale de la race reptilienne appelée les Siakars. Ils vont de 4,26 m à 6,70 m de hauteur. Oui. Plus haut que ma maison, d'ailleurs. 5 mètres, 6 mètres maximum. Ils peuvent peser plus de 800 kilos. Ils ont des appendices ailés. Et qui sont des êtres incroyables. Ils sont extrêmement clairvoyants et extrêmement intelligents. Bon, c'est pas étonnant. Et ils peuvent aussi être extrêmement sinistres.
Pas étonnant non plus. Collier affirme que selon la vision du monde draconienne, il s'agissait de la première espèce intelligente de la galaxie à ensemencer de nombreux mondes avec leurs enfants biologiques. Alors moi, il me semble que aussi qu'il y avait les Inviens bleus, que Corey Good en parlait, je ne sais plus. Enfin bref, non, pour l'instant, sur ce cri, rien s'intéresse. Qui étaient pourtant les sortes d'extraterrestres ailés les plus évolués de toutes les galaxies, je pense. Mais bon, après. Alors, les reptiliens Draco se considèrent donc comme les dirigeants naturels des mondes contrôlés reptiliens tels que la Terre et considèrent les humains comme une espèce inférieure. Les draconiens sont intéressés pour exploiter les ressources de la Terre tout en veillant à ce que ces ressources soient exploitées efficacement. Il semble exister une stricte hiérarchie impliquant les draco-reptiliens et les autres races extraterrestres décrites jusqu'à présent dans ce groupe. Selon Thomas Castello, les reptiliens d'Alpha Draconis, les Dracos commandent les reptiliens de la Terre. Alors, faut pas demander parce que c'est encore au-dessus. Hein. Les reptiliens basés à la Terre commandent à leur tour les grands gris. Oui, en plus, les petits gris, grands gris. Qui commandent les petits gris. Alors, les petits gris, les grands gris. Les reptiliens et au-dessus les draco-reptiliens. Draconiens, hein, faut. Fait intéressant, Castello décrit également la caste dirigeante draconienne comme étant des Siakars qui sont ailés et qui pourraient donc être facilement confondus avec ceux des dragons. Jefferson Souza, un chercheur devenu brésilien, confirme l'existence d'une hiérarchie impliquant les gris et une race de maîtres reptiliens. Toutes les races extraterrestres décrites ci-dessus semblent avoir un certain nombre d'accords imbriqués qui ont une interface commune dans les accords conclus entre les agences de sécurité nationale américaine et les gris. Il y avait un livre comme ça, une fois, ufologique, je ne sais plus, c'était l'Alliance américaine avec les gris, mais je ne sais plus le titre. Les draconiens constituent le sommet caché du complexe militaire ou industriel extraterrestre, MIEC, hein, M-I-E-C, qui contrôle les informations et les technologies liées à la présence extraterrestre. Les draconiens semblent très actifs dans le contrôle des élites humaines. C'est pas étonnant. Des institutions et des systèmes financiers, promouvoir le militarisme, créer un climat de pénurie, de lutte et d'insécurité, récolter des humains et manipuler des gris et d'autres races reptiliennes. Oui, puisqu'en plus, ils manipulent les gris et les autres races reptiliennes. Donc c'est vraiment au-dessus. Les activités draconiennes contribuent aux problèmes mondiaux tels que la concentration des richesses, les élites et institutions corrompues, la violence ethnique, religieuse. De toute façon, c'est pour ça qu'on est toujours en guerre avec des. Des sortes de programmes hein, qui a toujours été installé depuis de belles lurettes, les violations des droits de l'homme, une culture de la violence et du terrorisme et le commerce de la drogue et le crime organisé. Bon, il y a des trucs très intéressants aussi avec Syrien de Sirius B. Il y a plein de races, donc je ne sais pas. Je vais avoir, il y a Anunnaki évidemment. Anunnaki, là, si je commence à faire Anunnaki, ça peut être très intéressant. Peut-être que je ferai une vidéo aussi. Il y a des grands blancs aussi. Charles Hall qui les avait rencontrés dans les années 60, très intéressant aussi, donc je vais voir. En tout cas, là j'ai lu les draconiens qui sont au-dessus, qui dirigent les reptiliens, et les reptiliens qui dirigent les grands gris et les petits gris. Vous voyez le truc hein, je crois qu'il n'y a pas plus haut encore. Hein. Draconiens, couleur blanc, enfin bref, vous allez voir quelques photos très intéressantes, évidemment, photos ici de. Pas des vraies images, mais bon. Alors, je vais couper là, merci et à bientôt, d'ici 2 jours, je ne sais pas si je reviendrai sur cette vidéo, là, ou de 3 jours. Peut-être sur le livre Le Peuple avec les Amérindiens, des récits inédits avec les extraterrestres, les étoiles. Peut-être que je reviendrai sur ce livre-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Et je vais peut-être même acheter 1 ou 2 livres ufologiques, je vais voir, je vais réfléchir. En plus avec Amazon, donc je reviens. Donc je coupe là, merci et à bientôt. Portez-vous bien et bon dimanche. Merci.